Pour retourner, on se retrouve exactement là où on s'était quitté la dernière fois, si vous nous joignez sur YouTube. On vient d'apprendre que les eaux miraculeuses du phare de Mercure pouvaient soigner notre arbre malade et sauver toute la population de la ville qui l'a transformé, quand il était en colère, en arbre. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le phare de Mercure. Au hasard doit être complètement lié à l'eau et surtout doit être complètement à l'est avec un peu de chance. La dernière fois on a essayé d'aller au nord, je sais plus quel phare élémentaire c'était, on était carrément pas assez fort. Donc assez plus facile de repartir que de rentrer hein, dans cette forêt. Hein. Peut-être pas. Hop. Allez. Un petit peu d'électricité pour tout le monde. Voilà, hop. Là. Niveau 11. Des pièces d'or, c'est pas grave. Hop. Tac. On peut toujours pas passer par là. Comme je disais, beaucoup plus facile de repartir que de rentrer dans cette forêt. Boum. Je crois que c'est la chance qui augmente les probabilités de faire... Alors... Ok. Et maintenant le phare de Mercure. Paris qui est par là, en Paris, tout au bout de la terre. J'ai pas de carte du monde. Là. Non. Allons chercher de l'eau miraculeuse. Oui bon, c'est un peu gâché de cramer un et au sage. Est-ce qu'il gagne une nouvelle magie? Non, pas de magie. Non. Par là. Quelque chose. Le pont de Colima. Ah bah oui. Évidemment. Le gars qui s'occupe du pont là. Hein? C'est un arbre maintenant. Non. Bon bah... Pas par là. Par là, à travers la forêt. Non. Oh, on retrouve des zombies. Ça faisait longtemps. Bon, quand on est sur la carte du monde, autant y aller à fond. Bon, l'avantage, c'est que quand on reviendra en ville, on aura... Donc, eux, ils nous servent toujours à rien. Là, c'est bloqué. On peut pas aller plus au nord. Par là, du coup. Non. Et ben, pour ceux qui se souviennent, on avait tenté d'aller au... On avait essayé d'aller au nord une fois, il y a longtemps. Dans une zone glacée. Je pense que c'est là où on va devoir aller. Au hasard, neige, eau, mercure, part de l'eau, tout ça, tout ça. Bon, et bah écoutez.
Hop là. Coucou les gens entassés les uns sur les autres. Oui, ces trois arbres sont des gens entassés les uns sur les autres. Hop. On va passer par l'auberge, hein. Quitte à, on va se soigner gratos. Se rééquiper un petit coup. Pas gratos. Grosse session de soins. Donc, un peu de backtracking. Hop. L'apothicaire, est-ce que... On va finir de prendre de l'équipement qui coûte cher. Non, ça c'est un baril. Tac tac tac. Non, pas d'armure rare en ce moment. Est-ce que je peux vendre des trucs? Ah oui, t'as, j'avais pas vu que j'avais récupéré une potion, c'est pas mal. Ça c'est équipé, ça pourrait être utile à l'occasion, ça rend trop plein de vie. Donc toi t'es déjà équipé d'armure de cuir, toi tu peux pas l'utiliser mieux. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Le bouclier, normalement ces deux-là sont déjà équipés, toi tu peux pas être équipé. Le gant en cuir, nul, toi ça t'améliore. T'aurais bien besoin. Le bracelet. C'est... Ouais, ok. Le casque, ceux-là, ils ont déjà. Le shampoo. Ouais, pour un de plus, c'est pas la peine. Pour 4 de plus, ça vaut le coup pour lui. C'est mieux que la tiare. Allez. On va lui redonner un peu plus d'endurance. Tac. Au final, ça nous a coûté que 310. Le gant en cuir. Pour lui. On gagne un peu quand même. Comme c'est 4, faudra m'expliquer à quoi ils servent ces tickets de jeu. La robe de voyage. Ouf, hein. Hop. On a dit que le glaive par contre. Et ouais, grosse amélioration. Non. Parce que j'ai une idée. Hop. Dans les objets, le cimetière. Si je le donne. Et non. Donc, le cimetière, je peux le vendre. Je perds la... Voilà, je perds la capacité à lancer vive l'âme de temps en temps. Mais... Du coup, je peux acheter autre chose. Si, plus 12, allez. Monde si seulement j'avais été un peu plus jeune. D'accord. Vous allez m'expliquer à quoi servent les tickets de jeu. Eh bien, un guérisseur très doué habite en Val, mais il n'est plus. Ok. Ok, mec. Tac, 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 tac. Pousse-toi. Hors de mon chemin. Hop. Alors. Les élixirs, c'est pas mal. Les plumes sacrées, rencontre aléatoire rare. Bon, tant pis. Je vais reprendre un peu d'herbe pour lui. On peut en prendre jusqu'à 30. Pas besoin de temps, mais 10 pour récupérer quelques PV de temps en temps, c'est pratique. Ça peut être pratique. Il m'en reste qu'un seul. On prend 2. Et on a buffer de 2000. On est bon. Je sais toujours pas à quoi servent les billets. Non, bon. Poussez-vous.
petite sauvegarde avant de partir. Hop. On est reparti, et donc cette fois-ci, on va au nord. Dans la zone de neige, en espérant que ce soit par là qu'il faut y aller. Parce que sinon, je suis paumé dans le scénar. Ah, ça fait du bien d'avoir tout le monde en forme. Hop. Le rat a mieux survécu. De mémoire, c'était par là-bas qu'il fallait aller. Hop, 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 hop. Une petite grotte. L'entrée de la caverne de Bilibin. Hop, j'ai toujours pas la magie qui permet de faire pousser les plantes et de passer plus rapidement. C'était par où, Barmik? Tu te souviens? Qui était là la dernière fois. Hop. Tac. C'est pas de sympa de s'attaquer à celui qui a le moins de PV. Je me souviens bien du lieu mais plus des directions, c'est déjà ça. On va finir par y arriver. Hein. Bah écoute, apparemment c'est par là. Donc là j'ai toujours pas la magie flambée. J'ai toujours pas la magie gelée. Je pense que ce sont des choses qu'on apprendra plus tard. Comme je le disais quand on y est passé pour la première fois. On apprendra à faire ça plus tard. Hop. Tac. J'ai la flemme de faire dans le détail. Vous prenez tous les attaques les plus fortes. Point. Ah, j'ai l'impression que les sprites, les armes changent. En fonction des armes équipées. C'est plutôt petit détail sympathique. Voilà, donc c'est ça qu'on pourra faire plus tard. Ok. Hop. Donc, ça sert. Je me souvenais bien qu'il fallait faire ça. Mais je me souvenais plus que j'avais déjà ouvert le coffre. Je pensais que ça menait à la sortie. Et comme quoi. Allez, boum. Tout le monde en prend pour son grade. Voilà. Hop. La sortie était bien évidemment juste là. Ok. Pas par là, mais j'ai vu un pont par ici, donc on va suivre le pont. Des gnomes. On est passé en pignome. Et cette fois-ci, on a un peu moins peur de se prendre des baffes, dans le sens où on s'est équipé. Eh bien voilà un village, le village 10 000. Oh, petit détail, on laisse des empreintes dans la neige. Le jeu a 20 ans, d'accord.
Et il y a des jeux qui, aujourd'hui, sortent en 2024, du coup, ils ne sont pas capables de faire ce petit détail. Voilà. Hein, c'est pas grand-chose. Mais c'est la classe. C'est la classe. Et on va commencer par aller fouiller les maisons des gens, si j'arrive à rentrer. Voilà. Hop, bonjour madame. Épidémie à Emile en ce moment. Vous devriez partir illico si vous voulez pas tomber malade. Ça va, j'ai de la magie de soin. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai demandé de lire dans tes... Non mais... Sophia s'occupe de tous les malades de la ville. Je ne veux pas lui coller encore plus de soucis. Ah, c'est pour ça qu'elle nous dit de nous casser. Qu'est-ce que t'as chez toi qu'on pourrait voler? Un coffre? Un coffre? Une bouteille vide? Elle a rien vu. Rien. Le vieux monsieur non plus n'a rien vu d'ailleurs. Je l'avais pas vu jusque-là. Mais... Rien dans le coffre. Est-ce qu'on peut voler la soupe? Du porridge. Qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on est malade? Alors, techniquement, la soupe de poulet aux nouilles. Voilà. Si vous la faites vous-même, apparemment, c'est le meilleur moyen de se réhydrater, d'avoir plein de protéines et plein de tout. Plein de vitamines et de choses. Voilà, c'est le moment santé de la vidéo. Aidez-moi! Grand-père, grand-père, tiens bon! Ah non, c'est terrible! Trouvez Sophia, je vous en prie, trouvez Sophia! Ben voilà, un mourant. Ça fait mal! On peut lui reparler comme ça pendant des heures. On peut dormir dans votre lit pendant que vous êtes malade, non? Hop. Le tas de bois. Hop! Voilà, on va s'arrêter là après un problème technique pour YouTube. Donc. Si, du coup, vous aviez deviné avant moi qu'il fallait aller là, bravo, à nouveau. Ouais, ça marche. Merci Barmic de me dire comment ça s'est passé, je regarderai ça dans le replay. Ça fera peut-être deux parties, je sais pas, on verra. Je sais pas si ça va compter comme un seul. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, abonner, partager, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Hydratez-vous. Et non pas grattez-vous, hein, Barmic. De l'eau, du thé, du café, des tisanes, ça marche aussi. Voilà, c'est bien. Ou des fruits qui sont pleins de jus. Ça fait toujours du bien. On se retrouve très très bientôt, et puis des bisous.